Bienvenue à toutes et à tous en compagnie de Pétanque Movie. Alors aujourd'hui nous allons suivre la finale du championnat de Côte d'Or tête à tête féminin qui se déroule à Saint-Rémy en Côte d'Or, qui va opposer Youtou Chérie du club de Quetigny et Virginie Chérie du club de Fenet. On entend des applaudissements derrière. Également, il me semble, la demi-finale des jeunes. C'est vous. Alors, sur la première ligne, Virginie Flou a eu le but. Alors, la gagnante sera qualifiée pour le championnat de France le 8 et 9 septembre à Quillon, dans le département de l'Aube. Dans le département de l'Aude. Allez, bien joué pour Virginie. Il y a encore une boule. Une touche devrait, à mon avis, pointer car la boule de derrière est à Virginie. Oh, c'est peut-être gagné. Alors, je vais voir. Alors, 2 points pour cette première ligne pour Virginie qui mène 2-0. Là, la lance, il s'endort pas devant le c'est le problème, c'est que j'ai pas. Parce que là, ça va, c'est des premiers. Normalement, là, c'est obligatoire pour marquer les scores. Non, c'est pas dans le machin. C'est vrai que j'ai regardé, il m'a montré. Enfin, moi, je ne m'inquiétais pas, je pensais qu'il y en avait. Faire comme pour les deux, on va commencer. C'est bien repris. Je touche. Je dis rien, elle boule. Ça va être compliqué à tirer. J'ai planté. C'est pas repris. C'est pas bon, je crois que les gens ne sont pas en PSG et sur un jeu. Un gros penti. Génial. Toute publicité pour le PSG est interdite. C'est la main, Cassandra. Oui, c'est la main. Alors, à côté de moi, Alain Vorillon, président du comité de Côte d'Or, qui va également. Commenter les scores. Parce qu'on n'a pas les petits panneaux d'affichage. Alors Virginie, ça doit gagner.
chercher. Vous devez y en avoir deux. Vous tirez pour les touches. Qui fait carreau. Alors, c'est pas une. Son tir, c'est pas très. Son force. Habituellement, c'est. Je joue très souvent au point. La dernière, elle était champion de Côte d'Or triplette. Associée à Pauline Garnier, je joue une Solaris. Elle participait au moins à un championnat de France tous les ans. Allez, deux points pour Yutouch, pour le score en deux. Une nouvelle fois bien joué. Bien tiré la première, celle-ci est bien devant. Très bien tiré, une nouvelle fois. Elle est attirée de plus chini. Ça va faire la différence dans cette finale avec la série. De 4 à 5, à 2. Là, on s'est loupé. Donc, quel dommage. Pour Yutouch contre Virginie Four pour cette troisième mène. Alors, pour l'instant, on ne joue pas très long. On joue environ 7 mètres, 7 mètres 50. On va parler un petit peu du terrain. Le terrain, bon, il est sec, mais c'est un terrain tout de même sableux. Un avantage au point et au tir. Pas très dur à pointer. Bien joué. Encore une nouvelle fois. Petit tiré Virginie Fleur.
c'est pas gagné, c'est pas repris, mais c'est bien joué. De rajout à un lieu touché, ça peut être du score à 5. Oh. On peut certainement tirer une fois la boule devant. Le sac est de fou, le touche. Léger avantage à du touche hein, qui pointe bah, très bien et qui fait tirer d'entrée du jeudi. Je suis mis trop loin. Ouais, nouvelle fois bien joué hein, pour le touche hein. Qui pointe très bien. Ah, Virginie va devoir reprendre le point. Faire tirer le touche hein, absolument. Et bien voilà, c'est fait. Bien joué. Si c'est repris, mais nous, il faut bien jouer. Hein. Présenter l'arbitre départemental pour cette finale, Kevin Da Silva, qui arbitre depuis maintenant 2 ans.
Alors, le point est à Dieu-Touche. Ça range pas les affaires de Virginie. J'ai avantage à une touche mais qui pointe très bien. Virginie a un peu plus de mal. Je pense que je ne vais pas se lancer au tir. Hein. Je vais plutôt forcer la boule. Et bien, du coup, un point pour Youtouche. Donc le score à 6 à 2. Elle est due à 6 mètres. Donc, absolument qu'on puisse tirer. Le touche, pour l'instant, n'y arrive pas. Ah ben, une nouvelle fois. Ah, décidé de pointer. C'est pas gagné. C'est pas repris. Et une nouvelle fois, il est toujours sur tout avec les deux boules. Terminé la main. Ah,
Si elle reprise, c'est bien joué, de voir le bouchon. C'est bien tiré par je touche, hein, le bouchon est resté. Un peu parti d'une boule en main. Il y avait un point pour je touche. 6 secondes. Tu fais quel point? Et une nouvelle fois bien pointé. On très bien dans cette finale. Allez, celle-ci, qu'à la mettre vraiment dans le jeu pour limiter la casse. Parce qu'il y aura 6-4, une double en main pour touche, le poids par terre, ça devient un peu en jeu. C'est court pour le touche. Et elle ne gagne pas sur les deux de Virginie. Encore de la place, hein, pour en mettre un.
Eh bien, on n'a pas rajouté un point de plus pour Yudouche, 7 à 4. Virginie sera bien surprendre pour pouvoir stimuler un peu plus les touches. Il m'a dit qu'il avait son médecin, il est sur Covid. Du coup, il va pouvoir. Parce qu'il ne peut pas aller à ça. Donc, il est déjà sur un peu ça avec ses supprimés de son nom. Ouais, mais. Ouais, j'ai mis un peu de ça. Donc, déjà, s'il vient avec une femme. Avec mais même si c'est pas un délai, c'est pas trop. Est-ce qu'il l'a fait avant le début de la course? Ou alors c'est au cas où il y a un contrôle? Ouais, c'est. Ouais. Mais normalement, c'est pas le même. Une nouvelle fois, il n'y arrive pas au point. Allez, je mets un celle-là. Allez. Voilà, bien joué, bien pointé. Thierry Youtouche. Il n'a rien touché au passage. Hein. Et certainement, il tira de la Virginie. Attends, il y a une machine de colline. On saura quand. Attends, il y a une machine de colline. Parce que du coup, ils m'ont demandé si je pouvais faire une galpe pétanque. Au même moment, ils m'ont demandé si je pouvais y aller là-bas. Si finalement, je suis qualifié là. Alors, c'est pas gagné, mais je pense que Virginie a le tir à deux. Et si elle tire bien sur cette mienne. Je vais faire une mètre de 3. C'est le champion qui va essayer d'être pointé du coup. Il va falloir en tirer à deux. Hein. Et bien voilà, bien joué pour Eugénie. Ça vous pose au point. Il y en a deux, 7 à 6. Je pense pas, il y a deux points. Oui, bon, ça, il y en a bordé. Oh là, 7-5. Non, mais ah oui, il y avait 7-3. Ah bah 5 à 7, 7 à 5. Allez, Bichette. J'ai dû faire une erreur dans la fiche avec le de la semaine précédente sur le score. Parce que Virginie Poum n'avait pas 4 à 3. Quel dommage pour Virginie, hein. Il ne peut pas tirer d'entrée Yudouche. Est-ce qu'il lui manque dans cette finale de faire tirer. Hein. Mais
même s'il n'a pas lu le rôle, il a lu Voilà, bien repris. Allez, Bichette. Ah, pour l'instant, la différence est au point du côté de YouTube. J'ai un peu plus de mal, mais ça m'a mis en entre bien pointé. Hein. Une reprise. Allez, courte, allez, encore une fois. Heureusement pas. Du débrief, hein, les gamins. Quel dommage pour que je n'ai et sa boule devant qui regarde pas le point. Elle a joué 3 boules. Et il touche en encore 2. Hein. Là, je vous l'ai dit, hein, la partie hein, se joue vraiment au point hein, du côté de Ludouche. Qui a certainement ajouté au moins un point de plus. C'est court. Ça doit être court. C'est court, mais je pense qu'on va pointer. Je sais pas si la chance de la toucher, ça fait 3 points. Ah, une nouvelle fois court. Mais c'est pas payé, hein, sur le mien. Un point de plus. Le 8 à 5 pour les deux. Hey, Bichette. Dans l'une des favorites hein, de ce championnat de Côte d'Or, Pauline Garnier du club de Quetigny n'a pas participé hein, à ce championnat. Parce que, voilà, elle attend un heureux événement et en cas de qualification en septembre, elle n'a pas pu participer. Voir son bébé en septembre. Donc elle a fait l'impasse de cette année. Mais elle est tout de même qualifiée à la deux chemins de France. Le féminin et le double mix associé à Cédric Bouquet. Son compagnon dans la vie. Alors la nouvelle fois que j'ai mis à part le point. C'était tiré. Et c'est manqué. Ah, Virginie n'est pas dans sa partie. Je l'ai vu jouer tout à l'heure. Elle pointait très bien.
La différence, ça fait au point. Ah, bravo. Hein, voilà, j'ai repris. Non, Fabrice. Oui. Ah, Robert. ABC. Hein, ABC. ABC. Il n'y avait pas le D. Mais il y a beaucoup ABC. Hein. C'est souvent ça. Et pourtant, la ABC, c'est la ABC. ABC, puis après, c'est bon. Manquez pas de touche. Eh ben ça suffit. Attends, parce que ça suffit. On est loin. Il me semble que ça suffit, hein. À quoi? Voilà. Le 9-5. On conclut ça. Le score en 9-5. On va mettre ça à la ficelle. Tu lui rends un truc, tu lui rends un truc. Vas-y. Allez, je devrais me mettre là. Vas-y, je peux prendre 180 degrés quand même. Ouais. C'est quand même pas mal. Tu vas jusqu'à la hausse. Ouais. Bon, bah, après, j'ai toujours cul ou je descends. Tu vas bien éliminer les statuts. C'est voilà l'occasion à Virginie hein, de faire un beau point hein, et de repartir une touche. Après, c'est pas des stop hein. Allez, Bichette. Et bien voilà. Bien joué. C'est manqué. Voilà l'occasion pour Virginie. Essayez de faire une belle mine. Ça va être approché. Ah, presque. Il ne doit pas y être. Mais c'est bien joué, hein. On va obliger Virginie à tirer. Allez, si elle fait un point celle-ci, ça ferait deux points. Mais maintenant j'ai un doute. Ça fait moins de mesurer. Bon, là, elle n'a pas le point. Le point, il touche. On s'est bien joué. Ah, c'est juste un peu. Ok. Ouais.
Alors pour l'Enziré, là, ça va être compliqué, à mon avis. Pour la tirette, ça va être juste avec Kevin. À sortir le compas. C'est pour Virginie, 9 et 6. Je vais réfléchir encore un peu. Où t'envoyez-vous ? Lui est sorti du caravan. Allez, fenêtre. Les deux doivent jouer sur le mouvement entre les 9 et 10 mètres. La tribune de fenêtre sur les 9. Allez, Michel. Dans ce bout, ça doit pas être gagné. Hein. Si c'est gagné pour le douche. Allez, Virginie, à la pression. Il y a de la place, on va faire un point. Bien joué. Ah, c'est long. On a perdu de points. Incroyable. Allez, celle-là. Allez, Virginie, regarde-le là. Allez, John. Pas de j'ai récupéré mon ordinateur. Allez, je
dans la main d'après. Il est toujours à planter. Hein. Et non, ici de tirer. Oh là, oh là. Alors du coup, on l'a il doit y avoir. Pas quoi. Il doit y en avoir qu'un. Deux. Toi. Non, 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 pour tout. Ah, j'ai pas, attends, attends. Ah, deux fois. On l'a tapé, là. Ah, pour vrai, j'ai. C'est vrai, Manon ? Non, mais... Alors, un ou deux. Je mets deux points. 11 à 6. Allez, ah, dommage, pour que je finisse la règle, j'ai pris à sa deuxième boule. Allez, Bichette. Tu as eu l'occasion de marquer. La différence, je vous l'ai dit, elle se fait vraiment au point du côté du Guédouche. Ouais, mais je pense que là, allez, Michel, c'est là que ça commence. Hein. Allez, ma belle. Allez. C'est maintenant. Allez, Fanner. Et puis, aussi, c'est peut-être chose qui... Voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est faire tirer les touches. Nous on avait perdu contre le mercredi. Mercredi, on a perdu après. Combien la partie? Hein? 12-12. 12-12, il reste plus rien. C'est la même. Allez. Allez, Bichette, fais l'effort. Allez, vas-y. Allez, encore, Ravel. C'est le moment. C'est le moment de rajouter. On doit venir au score. Il y a de la place, allez vos chers. Il y a moyen. Tu fais 20 le péché. Bravo. Bien, allez, encore. La 2. Bien, ma belle. Pas de 100 ans. Allez, Bichette. La réduction du score, on est fini. Allez, Bichette, encore. Bravo, super, bien, bien. Bravo, bien. Voilà, Virginie surpris. Fait tirer lieu tout j'entrée. Très important. C'est manqué. Yeah.
dû gagner le point. Allez, Virginie. Allez, ma belle. Allez, on va t'en plaisir. Allez, fais-toi plaisir, ma belle. Allez. Allez, Virginie. Allez. Un beau tir, celle-ci. Voilà. Oh, le bouchon est parti. Quel dommage. Il y a des points par terre. Ah, il n'y a pas de réussite sur le tir. Appelle place au plan de génie. Et là, elle doit s'appliquer, hein, de gagner le point pour venir. Surtout pour continuer. Bien joué. Bravo, bien joué. Très bien joué. Et encore, madame. Eh bien, 10 à 11. Merci beaucoup, Yatouche. Allez, ma fille, encore. Voilà, le général s'est plus à 6 mètres, elle a bien fait. Il faut absolument qu'elle fasse tirer à Yotouche d'entrée. Par contre, ça dit c'est important. Bravo, super. C'est bien joué. Alors, il est toujours pointé, mais on a pointé une de boule. Hein. Il est très important pour elle. Ah, ce qui se passe, quelqu'un a parlé. Allez, Virginie. Allez, Bichette. Quelqu'un a parlé pendant que Virginie allait tirer. Allez, Virginie. Allez, c'est important cette boule, il faut la frapper. Ah, le bouchon est parti. Le bouchon est parti. Et pas sorti. Tu fais beau maintenant. Allez, Virginie, gagne le marqué. Allez, alors, Virginie, il faut le mettre beau. Parce qu'il a touché encore deux boules. Il y a 11. Allez, Virginie, cette boule est très importante. Oh, les courtes. Oh, les courtes d'un mètre cinquante. Aïe, 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 aïe. Je touche à deux boules. Ça sent le roussi pour Virginie Flom. Deux boules à Yotouche. Jusqu'à 11. Et voilà le deuxième, une boule en main. Et il a gagné. Thank you.
Ah, je ne vois pas perdre ce point, quand même, il est à plus d'un mètre cinquante. La boule de magie est plus d'un mètre cinquante. Ah, c'est bien lancé. Et voilà. Eh bien, on veut des 13, hein, victoire de Youtouche, du club de Quétigny. Respecte ton adversaire, bien gérer ton adversaire avant d'aller. C'est respectueux. Ah, ça va discuter, certainement quand elle a dû jouer, ça a dû parler. Mais voilà, Youtouche est qualifié pour le championnat de France le 8 et 9 septembre à Quillan. Eh bien, quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette finale. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, le groupe de Pétanque, et visiter mon site internet pétanquemovie.com. Je vous dis à bientôt.